Je vais commencer par dire que effectivement, nous sommes en tournée politique, mais nous sommes également en tournée économique. La différence entre nous et les autres, c'est que nous ne cachons pas le caractère politique. Ceci dit, nous profitons toujours de nos tournées pour enrichir notre programme économique pour le Sénégal, notre programme économique, social et environnemental d'ailleurs, que nous avons pour le Sénégal. On en profite pour échanger avec les travailleurs, les responsables de petites entreprises, les artisans, pour l'enrichir, pour l'expliquer. Également pour expliquer le sens des difficultés qu'ils vivent. Et c'est donc ainsi que ce matin, nous avons rendu visite au quai de pêche, aux travailleurs du quai de pêche. Et là, nous sommes accueillis par Sadi Bouboudian et ses collègues qui œuvrent dans la menuiserie au niveau de la région. On a échangé sur le programme et on a également échangé sur les difficultés très particulières qu'ils subissent actuellement. Et ça m'a permis d'abord de rappeler que la coupe d'arbres ne peut pas être une solution s'il n'y a pas derrière du reboisement. Et j'ai été particulièrement surpris de constater que non seulement on partageait exactement les mêmes opinions, mais que les menuisiers des Igachors étaient déjà impliqués dans des activités de reboisement. Et ça, il faut les en féliciter. Au sujet des difficultés qui sont nées d'une interdiction absolue de couper le bois, on a constaté au moins deux choses. D'abord, comme d'habitude dans notre pays, une injustice faite d'un traitement de faveur réservé à certains, parce qu'on a recueilli des témoignages selon lesquels certains restent des coupeurs de bois, alors que les autres, lorsqu'ils sont pris, même transportant du bois acheté ailleurs, ils sont mis en prison. Ça, c'est le premier constat qui a été fait. Il y en a évidemment un second. Il est important, lorsque des décisions aussi radicales doivent être prises, d'échanger avec les principaux acteurs. Il est essentiel, lorsque des décisions aussi sévères doivent être prises, de prévoir des périodes transitoires. Parce que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, plonger autant de familles. Ça devrait d'ailleurs commencer par leur recensement, dans le désarroi et la détresse. Et pour ce faire, nous considérons qu'il appartenait au gouvernement d'abord de s'asseoir avec les artisans du bois, d'échanger avec eux, mais la vraie solution était d'organiser très rapidement par le biais de centrales d'achat la livraison d'un bois importé dont ils ont besoin dans des conditions acceptables. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on a évoqué également une grande partie de ce que notre programme prévoit, non seulement en direction des artisans du bois, mais en direction de l'artisanat d'une manière générale, parce que nous considérons que le développement économique, l'émergence économique du Sénégal doit passer par davantage d'importance, davantage d'intérêt accordé à l'agriculture au sens large, et également à l'artisanat.